Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home. On va pouvoir repartir vers Kazan, mais avant, on va jeter un œil à la cuisine, donc comme prévu. J'ai regardé un peu ce qu'on pouvait faire. En gros, de base, on a trois recettes. La soupe, qui nous permet de sortir 20 de nourriture à partir de 10 de nourriture et de 20 d'herbe. Je trouve que l'échange est un petit peu compliqué quand même, mais ça permet de doubler la nourriture disponible. Donc là, on a 2,6 jours de nourriture, donc ça peut être utile. On peut faire deux consommables, la tarte aux pommes et le café. Donc la tarte aux pommes, c'est bonus de morale et repu, mais ça, il faut qu'il y ait faim ou inanition pour que ça soit utile. Et on peut faire du café, qui donne un petit bonus de morale et qui donne surtout de l'efficacité au travail. Donc qui peut être quand même pas dégueulasse. Et en termes de recherche, en fait, on peut découvrir des nouvelles recherches. Donc du goulash, du poisson grillé, de la salade de crudité, etc. Globalement, c'est des consommables qui donnent des bonus, donc dans chaque type, hein, intelligence, dextérité, forme physique, volonté, charisme. Et le goulash qui donne de la santé, un bonus de remontée de santé et de morale tant que le soldat se repose. Donc ça peut être pas mal. Même si pour le moment on n'a pas de wagon de soins, donc ça peut être bien. Un truc qui récupère plus d'endurance serait encore meilleur, mais bon, on peut pas tout avoir. Dommage que le café d'ailleurs ne donne pas d'endurance en vrai. Cela étant dit, ça coûte très cher en herbes. Toutes les recherches coûtent 50 d'herbes, on a 46. Et là, pour cuisiner, il faut qu'on consomme de l'herbe. 20 si on veut faire une soupe, quoi. Donc, du coup, c'est un petit peu coûteux. Très clairement. Mais je pense qu'on va quand même commencer à lancer une petite. Un petit travail sur la soupe. Ça va nous consommer 20 d'herbes. Donc on s'éloigne de nos recherches. Mais on va pouvoir travailler dessus. Alors après, est-ce que je pourrais regarder. Qu'est-ce qu'on a? On peut ajouter un emplacement de tâche supplémentaire. Alors on n'a pas non plus 36 000 cuisiniers. Réduit le risque d'accident au travail. Ok, très bien. À la fin du processus, on peut parfois récupérer des ressources. Ça peut être pas mal à récupérer, ça. En termes de chauffage, on a le chauffage. En termes d'endurance, on a l'endurance. Ok, donc peut-être qu'avant, ce qu'on pourrait faire, c'est direct commencer à travailler. Alors toi, du coup, je t'enlève. Commencer à travailler sur les mesures de sécurité. Pour l'instant, notre jauge de menace est au minimum, hein. Donc avant de recommencer à avancer, j'aimerais bien qu'elle monte un peu. Et on va foutre quelques ouvriers qui sont à peu près en pleine forme. C'est-à-dire qu'on n'en a pas des masses. Il y a notre pote Joseph là qui est censé se reposer et qui va conduire après pendant la nuit. Vas-y Joseph, en avant. Quoique, on peut le laisser 2h30. On va voir si on peut lancer d'autres améliorations à d'autres endroits. Donc par exemple ce wagon d'infanterie. Alors la locomotive déjà. On a déjà pas mal travaillé, là on peut faire plus de traction. On a assez de métal pour augmenter encore notre vitesse. Pourquoi pas? Sinon on peut améliorer de 1 wagon. Alors 200 de métal ça claquerait toutes nos réserves. Réduit les risques d'accident du travail. Ouais, c'est pas si mal ça. Hein. Déstockage, non. Alors, on va peut-être avoir besoin à un moment de se battre là, mais pour l'instant, c'est pas trop le sujet. Je pense qu'on va faire cette petite amélioration là. Et du coup, toi, t'es déjà en train de bosser. Toi tu vas y aller, 2h13, on est à peu près pareil. Et si on prend nos wagons d'infanterie, qu'est-ce qui nous reste? On a pu travailler sur le chauffage. Des quartiers supplémentaires, mais du coup c'est cher. Ici. Pareil, on pourrait améliorer l'endurance des soldats qui se reposent. Sachant qu'en termes d'espace, il nous reste de la place pour deux soldats, hein, en gros. Ouais, c'est ça.
Il nous reste de la place pour deux soldats, donc vu qu'on va pas revendre ce train, on va se faire un petit truc là-dessus. On va faire travailler quelqu'un qui, par exemple, est pas trop fatigué. Vas-y, toi. Ok, on va se faire une petite pause à la gare pour améliorer notre locomotive et deux wagons avant de continuer. Tac tac, ça c'est bon. Et au niveau du coup des niveaux maintenant. Donc on a 9 soldats fatigués, hein, on le savait avec la mission là, ils étaient déjà pas très très frais. On a des promotions. Donc on va les faire après, gagner un niveau en éclaireur. Très bien, level 2 en éclaireur. Donc du coup, tu peux prendre la diversion et l'agilité, ça me va. Et t'as moins un partout parce que t'es fatigué, j'imagine. Ouais, c'est ça. Alors plutôt un éclaireur et t'es déjà médecin en plus. On va augmenter un peu ton intelligence. Ensuite, Antonin, il devient caporal. Un niveau en mitrailleur, il gagne sprint. Pendant 10 secondes, augmente la vitesse et la défense. Ok. À la place du tir de couverture, j'aime bien l'idée. Ça me paraît plus utile. Enfin, disons que ça c'est certainement très utile, mais les munitions, putain, les munitions! Les munitions! Alors, l'efficacité au travail des ouvriers et des ingénieurs. Donc, toi, t'es ouvrier et cuisinier. On va lui mettre un peu de charisme. Elsbeth là, ma chère. Niveau 3 en soins. Alors du coup, t'as gagné esprit dangereux et inspirer la prudence. Prends un inspirer la prudence. Et du coup, on va augmenter ton charisme pour que ça soit plus efficace. Toi, on t'a fait ici. Petre. Un niveau de fusilier, concentration, il augmente. Le soldat à couvert utilise volonté pour augmenter ses chances de toucher. Parfait. À pas de loup, concentration. Concentration, toi. C'est parti pour un peu de volonté. Et enfin, lui. Alors là, on a une vue où on a que les soldats qui ont des niveaux à faire. C'est intéressant. Alors, t'as gagné camouflage, t'appliques dissimulation quand il est immobile. Ouh, c'est pas mal ça. Ou alors tir critique, élimine un soldat d'un seul tir ennemi. Ok, alors on va virer stabiliser, ça sert à rien. On va lui mettre tir critique. Et le camouflage est quand même très fort hein, pour le truc des jumelles, c'est-à-dire qu'on peut se mettre un peu n'importe où et poser nos jumelles quoi. Est-ce que j'enlèverais la vitesse de déplacement? Ouais, on va mettre camouflage pour lui. Ce sera notre sniper. Il se pose dans un coin, il bouge plus, il devient dissimulé. Bim! Le petit tir critique. C'est parfait. Ça me va très très bien. Et du coup, au niveau des points qu'on peut te mettre. Diversion, contrôle du recul, concentration. Augmente la précision de concentration. Non, c'est pas toi. Ça, c'était camouflage. Non, on va augmenter ta dextérité un peu. Ok, nickel. Au niveau des rôles, tu pourras devenir fusilier, grenadier, un ingénieur, éventuellement un secouriste, pas cuisinier. Il te faudrait plus de charisme. C'est pas grave, je t'en veux pas. Un soldat avec rôle amélioré. Ah oui, lui, il est devenu grenadier plus plus. Ok, très bien. Il n'a pas pris de niveau, mais il a gagné son niveau de grenadier. Du coup, on va lui virer. Ah, on peut choisir le nombre de mines qu'ils emmènent. Intéressant. On va lui mettre de la bombe fumigène. Pour voir. Plutôt. Et on va en laisser deux. Et on en a quatre en stock, donc on en envoie deux, ok. Et là j'en ai plus en stock. On va lui mettre deux bombes fumigènes, ça suffira bien. Ok, sachant que lui. Ouais, si c'est quand même plutôt un mec à mettre dans une escouade, hein. On est très bien.
Bon, c'est plutôt bien. On va pouvoir voir des soldats aptes au travail et disponibles au déploiement, mais qui ne font rien. Après, reposez-vous à la rigueur. Alors, pourquoi vous faites rien? Vous êtes ouvrier, vous? Toi, t'es un ingénieur. Pourquoi toi, je t'ai pas foutu à bosser? Ah non, toi, t'es médecin. Zut. Qu'est-ce qu'on a eu d'ailleurs? Faiblesse, pragmatisme, débrouillard, concentration, robustesse. Toi, t'es le cuistot, myope et âme sensible. Ok. Et par contre, il est amical. Et eux, on les connaît déjà, mais il faut qu'ils se retapent, comme on dit. Quand on a un nouvel ingénieur pour notre train, c'est plutôt cool. Un nouveau médecin qui malheureusement nous sert pas à grand chose, mais qui est grenadier. Ce qui est plutôt pas mal du coup. Ok, on enlève la pause, on va voir à quelle vitesse monte cette jauge. Ok, nouvelle promotion pour Joseph qui travaillait sur les réparations. On va augmenter un peu ta dextérité puisque t'es quand même censé travailler à la locomotive, donc ce serait bien de pas totalement faire de la merde. Est-ce qu'on va terminer les travaux? Alors, on en est où là? Vas-y, va bosser là. Là, on faisait rien. Là, toi, tu vas bosser là. Et toi, tu vas bosser là. Voilà. Parfait. On a terminé un wagon. Donc, du coup, là, il reste combien de temps? 1h03 et 41 minutes. Donc, là, on va foutre le mec qu'on vient de libérer. Il est où? Amélioration du wagon numéro 3. Bah oui, mais du coup, il est terminé le wagon numéro 3. Oui. Lâche la fire. On va te mettre toi. Et ici, on va essayer d'avancer un peu. Ça avance. Ça monte pas trop. Alors, est-ce que ça monte pas tant qu'on n'a pas redémarré? Je ne sais pas, peut-être. C'est possible. On a amélioré ce wagon-là. Ouais, ok, l'autre c'est fini aussi. Parfait. Du coup, on est reparti. Joseph, tu reprends ta place. Ici, les mecs qui étaient en train de travailler là, hop, c'est terminé. Vous lâchez ça. Nickel. On va pouvoir avancer. Donc globalement, on n'a pas grand-chose à faire jusqu'à cette gare. On va donc pouvoir démarrer. On vérifie, hein, au niveau marchand. Il n'y a plus que la trousse de secours, on n'a rien vraiment qu'on a envie de vendre. On n'a pas gagné magiquement des sous. La composition du train, on n'a pas oublié notre wagon de cuisine est bien là. On n'a plus que deux personnes qui sont fatiguées, c'est cool déjà, on a bien récupéré. On est donc parti. Envitez ça. Fabrication et recherche. J'utilise la fabrication pour obtenir des objets utiles et la recherche pour débloquer des améliorations permanentes. Ah oui, c'est vrai que du coup j'ai pas lancé ma cuisine du coup, au final. Toi, tu vas cuisiner de la soupe, une tarte aux pommes. Un boost de morale, du café plutôt. Ça l'occupe 5 heures, mais 20 d'herbe. L'herbe va devenir un vrai problème. Hein. Sachant qu'on a 2 jours de nourriture. Ouais, bah on va y aller. Allez, hop, c'est parti. Cuisine, mon gars. Fais ta petite popote de nuit. On est parti. On va ici. Ici, on pourra aller récupérer de l'herbe. Il y a une nouvelle gare après. Il n'y a pas trop de trucs à fouiller. Ça va. Ici, on pourra envoyer les mecs là le temps qu'on avance jusqu'à Saransk. Là, il y a un truc abandonné, de la bouffe. Pour l'instant, la menace est à zéro. Si seulement je pouvais faire des escalopes. Qui tu es, Jarov, là? Est-ce que t'es notre cuistot? Non, t'es ingénieur.
Alors on refera les escouades la prochaine fois qu'on a besoin des escouades. Là, ce qui m'embête, c'est qu'on va arriver ici en ayant absolument rien. Pas de bouffe, que dalle. Ça arrête, hein, rassure-moi. Ouais, parfait. Alors, village détruit. Ah, il n'y avait rien là-bas, Major. Seulement des ruines et de vieux ossements. S'il y a eu quelque chose ici de valeur, voici longtemps qu'il n'y a plus rien. Ah merde. Ça a été détruit, d'accord, très bien. Fort sympathique, ma foi. Du coup, on va là. On est reparti. Un rang supplémentaire pour lui. Ok, il est ingénieur, donc il devrait travailler sur le train. Du coup, on va te monter ton intelligence, puisque tu es ingé. Allez, petit train. L'autre, il fait des petites flexions. Oula, des petits artefacts, là. Et du coup, il a gagné son niveau 2 d'ingénieur. Parfait. Plus 1 intelligence bonus et 80... il passe à 80% d'efficacité au travail. Donc normalement, c'est lui qui conduit, hein, c'est ça. Ouais, c'est lui qui est en train de conduire. Parfait. Et on s'arrête. Nickel. Alors du coup, là, on va vouloir envoyer des marchands. Il nous faut un mec cavard, on peut enlever cambriolage et compagnie. Modifier les squads. Je me disais pourquoi j'ai pas la petite croix. Donc déjà ceux qui sont fatigués on les enlève. Toi, toi, t'es un peu fatigué. Voilà, on a besoin d'avarice. Toc. Donc toi t'es l'avare. Lui il est sévère, pourquoi pas. Elle est diligente. Lui il est brutal, téméraire. Ouais, c'est pas trop gênant, je pense. On pourrait envoyer un pragmatique et un débrouillard. Digne. Oui, le pragmatique et le digne. Lui il est artiste et chaotique. Ça va tellement bien ensemble. C'est parti. Ok, là ça monte. Très bien. Relativement vite, mine de rien. 2% là en quelques minutes. On va voir combien ça descend. Donc c'est bien ça, ça montait pas tant qu'on n'avait pas avancé. J'aurais dû avancer d'un tout petit peu puis lancer les réparations après. Un mendiant. Un grand danger vous attend lors de votre périple. Ah, ça nous aide. Une voix étonnamment forte émane d'un mendiant que vous croisez sur la route. Il vous pointe du doigt de sa main maigre. Des yeux étonnamment brillants vous fixent derrière des cheveux en désordre et sales. On va écouter son avertissement. Oh, les rouges ne sont guère un problème par rapport au malheur que vous réserve la forêt sombre et ses secrets. Et elle, elle est juste sur votre chemin, à la recherche de sans-abri, comme vous. Manqué. N'êtes-vous pas le sans-abri? Tout ce pays est ma maison, imbécile. Et vous, où est la vôtre? Et bim, moins 20 de morale pour lui. Il marque un point. Donneriez-vous de la nourriture contre un mendiant? Deux de nourriture. Allez, on peut lui claquer deux de nourriture. Il nous raconte une histoire. Un lieu empli d'horreur se trouve dans les bois. Sur une patte d'oiseau, j'ai une cabane où vit la vieille et misérable Baba Yaga. La fameuse Baba Yaga sur sa maison à patte d'oiseau. Méfiez-vous quand un hébergement elle vous proposera, c'est un piège, au moindre bruit vous deviendriez sa proie. Ceux qui ne lui rendent pas hommage pourraient finir dans son potage. Venez-vous de payer pour entendre une comptine? Oui, j'en ai bien peur. Vos soldats éclatent de rire et abandonnent le mendiant reconnaissant à son triste sort. Dommage, on a perdu du moral et on n'a rien gagné. Du coup ici, des herbes, 10 balles pièces, trousse de secours stimulant, des trousses de secours. Alors si on prend toutes les herbes, il faut qu'on débloque 1000 balles.
1000 balles, 1000 balles. Où est-ce qu'on peut dégager 1000 balles? On peut vendre 100 tissus. Pourquoi pas? En termes de ressources, on peut vendre quelques mines, deux mines. Serre aux soldats. Là, on a du 3 fusils de précision, 4 fusils de précision. Les fusils mitrailleurs, non. Les fusils courts, on en a beaucoup. Il sert pour les grenadiers, ok. Fusil Mosin, c'est pour les fusiliers. Le Parabellum, on peut vendre, je pense, un comme ça et un comme ça. Ouais. Et on prend tout ce qu'on a comme, tout ce qu'on peut comme herbe. Voilà. Et on se fait un petit bénéfice en plus. On peut même acheter un stimulant si on veut. Mais je pense qu'on va rester pour l'instant. Ça doit être. C'est pas le cuisinier qui va le fabriquer, je pense, mais avec l'ingénieur ou les médecins, on doit pouvoir en faire. Je vendrais bien un peu de vodka aussi. Allez, hop. Parce que je pense que sauf urgence, il y a peu de chances que je l'utilise. Régénérer le moral du soldat au max, mais gueule de bois et overdose. On va vendre un peu de vodka. Voilà, on se fait un petit peu de sous. Ça donne envie d'acheter des tissus, mais je vais essayer de garder un pécule quand même. Revenez. Donc là. Ouais, on va arriver à peu près 5 de menaces dans l'intervalle qu'on a fait là. Très bien. Alors regardons un petit peu, parce qu'ils sont en train de. Ils sont oisifs, mais on peut rien leur faire faire, on est d'accord. J'aurais peut-être pu faire une petite. Une petite. Amélioration dans l'intervalle de temps, mais tant pis. On est reparti pour Rouazefka. Rouzafka, pardon. Rouzafka. Et bah dors, mec, si t'as besoin de dormir. Et du coup, on va peut-être commencer à cuisiner quelques tartes aux pommes après, ou faire des recherches, on verra. Alors, ici, ici on a un marchand qui nous vend du carburant. Bah voilà, là ça valait le coup de gagner du, d'en garder du pécule, là. Très clairement. On prend tout le carburant qu'on peut. Il n'y a absolument aucune discussion là-dessus. Là, ça a l'air d'être une ville assez grande avec de la fumée, mais plus probablement des usines que des incendies. Ça dit ici, il y avait des trucs avant qu'on constate que c'était cramé. Il faut qu'on aille dans cette forêt. Alors, le plus simple, est-ce que je les envoie maintenant et on les récupère là? Pourquoi pas? Ça ferait une belle expédition quand même. Donc, forêt. Chasse, survivaliste, herboriste, il nous faudra également des débrouillards pour récupérer de la nourriture et de l'herbe. Ouais, carrément. Il faut qu'on y aille, hein. Donc herboriste. L'avare. Non, pas déployé, modifié. L'avare, il peut aller se reposer un peu. Il nous faudrait un survivaliste. Ah zut, l'avare, c'est aussi lui qui avait l'herboriste. Non, bah, tu viens du coup. Tac tac tac, loyal, bienveillant, humoriste, diligent, toi tu viens, là on a notre chasseur qui vient aussi. Loyal, artiste, débrouillard, on va prendre le débrouillard, on peut pas, on est plein, zut, alors on a quoi? Sévère, solide, vigueur. On va t'enlever. On va prendre le débrouillard. Alors, on n'est pas obligé d'y aller avec autant de monde quand même. Hein. On peut pas les sortir de l'escouade ici. Toi, t'es diligent, donc tu restes.
Toi, t'es pragmatique, débrouillard, tu restes, digne. La rigueur, toi, on peut te t'enlever, mais t'es en pleine forme, donc autant faire un peu d'XP. Lui, il reste, il a les bonus. Toi, tu restes, les bonus. Toi, intelligente, tu restes. Toi, tu pourrais aller te reposer. Ouais. Duzan, il va aller se reposer. Petre et Duzan, ils vont aller se reposer. Ouais. Petre et Duzan. Petre et Duzan. C'est parti. Est-ce qu'on a d'autres personnes intéressantes à mettre? Lui, la cambriolage, c'est pas hyper utile dans le contexte. On va les laisser se reposer pour la suite. Ok, on va partir avec cette squad. C'est parti. Donc on est retombé à zéro de menace. Hein. C'est plutôt bien. La gare, on est d'accord. Est-ce qu'on achète le bois? Pour 1200 balles, non, on peut pas trop se permettre. On va partir. Donc on les laisse faire leur vie. Je pense qu'on va même s'arrêter. Hop. Et travailler sur notre train. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? En termes d'amélioration, on pourra commencer à travailler sur l'isolation, hein. Ça pourrait être une idée. Ou améliorer un peu ça aussi. Sang de bois et 200 de tissu. Le bois va être un peu short, mais on a ce qu'il faut en carburant. L'endurance est toujours un problème, hein, donc on va se lancer là-dedans. Toi t'es en forme, toi t'es en forme, vas-y. Toi on va te filer un café même, je pense. Un petit café, voilà. Hop, 20% d'efficacité en plus. 1h50, ça me va bien. On est parti. Est-ce qu'on a d'autres améliorations à faire? Peut-être sur la loco, peut-être sur ça d'ailleurs. À un moment, notre stockage. Étagère, il faut du bois. Piège à rats, on a dit que vu qu'on avait le dératiseur, c'est moins utile. Réduit risque de dysfonctionnement du wagon. On pourrait aussi améliorer un peu sa résistance vu qu'il est devant. Hein. Ça nous coûte un peu de métal, mais on a ce qu'il faut. Allez, c'est parti. On va mettre toi, t'as une très bonne efficacité en avant. Alors, promotion pour Ivan. Qui gagne un niveau de cuisinier. Plus 100 en dextérité, il passe à 80%. Ah, du coup, on va te passer à 6 en dextérité. Et du coup, toi, tu peux pas être. Ouais, tu peux pas être. Comment. Tu peux pas prendre de rôle de combat. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller chercher l'ingénieur quand même. Pardon, c'est pas ça. C'est là. Pour avoir plus de. Plus d'ingé. Est-ce que du coup t'as terminé ta popote? Non, pas encore. Mine de rien, en 5 heures, on a fait du trajet, hein. À 30 km heure. Après, c'est vrai que là, il n'y a que 300 km, hein. Normalement, on fait ça en 2 heures en voiture aujourd'hui. Ok, la menace monte doucement, mais elle va redescendre, je pense, le temps qu'on arrive ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une sauvegarde, pourquoi? Ah, parce qu'on a passé minuit, ok. J'entends le boum, je me dis. Pourquoi? Et ça grimpe quand même, hein. Alors, on a atteint un point d'intérêt, c'est parti, faites-moi rêver. Et on a trouvé du gibier, on a trouvé des herbes. Non, la situation a tourné différemment car il avait survivaliste. Et en plus, on a trouvé des herbes. Nickel.
Donc on a trouvé 47 de nourriture en tout et 89 fermes. Ouh, c'est bon ça. Fantastique. Par contre, du coup, est-ce que je les fais revenir? Pas tout de suite. On va attendre. Voilà, la fin des. C'est ça que je voulais faire. C'est ici. Tac, gens qui bossent. Ah, il a gagné un peu en classe, mine de rien. On t'enlève. On t'enlève, on t'enlève. Allez, vous reposez, les gars. Voilà, t'es parfait. On reprend la route. On va ici. Neuf, ok, ça descend. Allez, c'est parti, revenez, ça vous coûte un d'endurance. On vous attend juste là. 40 minutes pour rentrer, pas le temps de faire une amélioration. On est redescendu à 6% là en quelques mètres, c'est intéressant. Ça va être plus compliqué, je pense, plus loin là. Il y a un moment où on va certainement devoir envoyer des mecs beaucoup plus loin. Kazan, c'est où? C'est là. On l'a passé. C'est ici. Ok. Ah, y a beaucoup de choses à faire sur le chemin. Mais on s'en tire. Pour l'instant, est-ce que Kazan, il y a un crâne dessus? Pour le moment, non. Pour le moment, on n'a aucune, aucun truc de, aucune mission de combat. Ça va pas durer, je pense. Ok, l'escouade est rentrée. On est reparti. On va en gare. Ben, un tout petit peu plus de 30 grâce à nos améliorations. Alors, on a un médecin. Bah, on n'a personne de soigné de toute façon. Ce qui est plutôt bien. Au niveau du marchand, il nous vend des munitions, il nous vend du caviar, du café, de la vodka, du métal. Ça coûte tellement cher. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre en échange de métal? De la vodka. 346, on va pas aller loin avec ça. Ouais. Clairement pas. Métal contre nos 3 vodka. Quel enfer. Quel enfer. Bon, on a fait le plein d'herbes. On est pas mal niveau nourriture. Il a dû terminer de travailler aussi, je pense, notre cuisinier. Faut que j'aille voir ça. Et le reste de l'équipement, on va le garder. On va pas faire de la merde non plus. En termes de munitions, on est comment? 700 munitions de fusil, 100 ici, 45 ici, mais on en a 500 dans les chargeurs des mitrailleuses, donc on en a gagné un peu en vrai. Je préfère le café limite pour le moral. Bon, c'est que 10 de morale le café, mais on peut le fabriquer pour pas si cher que ça. Allez, on prend 15, on peut. Non, pas 15, on peut pas. On va prendre 10, 10 fers. Qu'est-ce que ça serait si on n'avait pas un avare, quoi? Alors, toi, t'as gagné un niveau en ouvrier. Parfait. Un physique en plus. Nickel. Tu peux débloquer mitrailleur. Pour l'instant, on s'en tire avec deux mitrailleurs. T'as ton petit café. Du coup, avec le petit café, est-ce qu'on pourrait pas la mettre genre à la loco? Non. On va laisser eux s'entraîner. Ça me paraît plus pertinent. On va pas lancer d'amélioration, je pense pas. Ah, ah non, ça c'est pour le wagon. Là, il faudra 250 de métal. Notre cuistot, il en est où? Ah, il est reparti en faire un autre? Non, mais j'ai pas mis répéter, attendez. Répète pas, merde. Bon, bah tant pis.
On va le laisser refinir ça du coup. Ah oui, donc en fait il en a peut-être fait plein là, c'est pour ça que c'était long. Après on lui fera faire des petites recherches là. Genre le petit goulash pour rebooster le moral, ça paraît, ça peut être pas mal je pense. Celui qui avait perdu du moral, il a récupéré. Ouais, ils ont récupéré leur moral, pas de problème. Pas de problème, pas de problème le moral. Et toi, t'es fatigué, donc tu te reposes. Pas de souci. Est-ce qu'on a des gens qu'on pourrait mettre en cuisinier? Tac, tac, tac. Toi, on pourrait te débloquer le rôle de cuisinier. Toi, Petre, on pourrait te débloquer le rôle de cuisinier. Vas-y, deviens cuisinier, mon cher. Et tu bosseras là. Hop, la journée. Alors t'as des vieux malus par contre. Ah oui, casse-cou. Ah, c'était peut-être pas le plus idéal du coup. J'aurais dû faire gaffe à ça. Est-ce que je le vois là? Non, je le vois pas, mais juste à cliquer sur un bouton pour changer quoi. Donc ça. Je passe gaffe à ça. Genre elle, je peux la mettre cuisinière. Elle a quoi? Faiblesse, insomniaque. Humoriste, c'est la fée du logis, donc de toute façon il faut qu'elle soit en pleine forme pour l'émission. Lui, à la limite, même s'il est très bon au combat, c'est moins grave quoi. On lui filera un petit café quand ça sera le jour venu. Est-ce qu'on avance? On avance, hein, faut qu'on aille jusqu'ici, faire une expédition là-bas. Par petit train. Une fois qu'on sera à l'étape, on arrêtera l'épisode. Niveau 3, notre ami Joseph là, il va devenir efficace à un moment. Là, il y a toujours des gros potentiels de trucs intéressants dans ces endroits-là. Ok, on s'arrête là pour cet épisode. Prochain épisode, on va aller explorer ça et continuer de progresser. Ça pourrait peut-être même valoir le coup de les envoyer là, eux. On verra comment, dans quel état ils seront et combien ça coûte. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!